Tour 2, confiné. Salut les amis, aujourd'hui, le tour de la ficelle miraculeuse. Petit morceau de ficelle, moi je prends toujours des objets qui sont à la maison, comme ça vous pouvez faire le tour. C'est de la ficelle de cuisine, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre type de ficelle. Je prends la petite ficelle que j'insère dans la paille pour que ça aille plus vite. Allez, va aller. Tu te moques de moi. Là, la ficelle est bien dedans. On le voit dans la paille, ok? Voilà ce que je vais faire. Je plie la paille en son centre, comme ceci. Et on va couper la paille et la ficelle ici, au milieu. Vous voyez, c'est bien coupé. Pourtant, grâce à la magie extraordinaire de cette ficelle hallucinante, je n'ai plus qu'à faire. La ficelle est reconstituée, alors que la paille, elle, ne le sera plus jamais. Comment ça marche? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris une paille et je me suis muni d'un cutter. Alors, parce que muni, ça ne veut rien dire. Alors, les enfants, s'il vous plaît, n'utilisez pas le cutter sans les parents. C'est un objet très, très dangereux. Vous pourriez vous faire mal, vous blesser. D'accord? Donc, vous allez faire une incision dans la paille. En fait, comme ceci, en son centre, sur environ un tiers de la paille, en partant du centre. Donc là, maintenant, j'ai une paille qui est ouverte, comme ceci. Voyez-vous? Hop là, ouverte. Ensuite, la ficelle est insérée. Ah, voilà. Donc maintenant, la paille est dans la ficelle. Au moment où vous pliez la paille, que se passe-t-il? Dessous, ça s'ouvre un petit peu, et si vous tirez sur la ficelle ne va pas rester dans la paille, elle va en sortir. Si vous cachez avec un doigt, comme ceci, vous avez la sensation que la ficelle est toujours dans la paille, alors qu'en réalité, elle n'y passe plus par le centre. Donc lorsque vous coupez la paille, vous ne coupez pas la ficelle. La ficelle, elle reste intacte. Voilà! Amusez-vous bien, entraînez-vous bien et amusez bien les copains. Bisous, à plus pour un prochain tour.